Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. On est présentement à une station-service pour un petit vidéo spécial et là, j'ai décidé enfin de prendre le temps de tester les fameux Lavauto qu'on voit un peu tout partout là, et qu'on fait beaucoup de promotions. Hein. Souvent, on va vous dire, hey, ça te coûte moins cher pour un super lavage si tu prends de l'essence. Il y a une promotion spéciale aujourd'hui, on le fait à prix rabais. Quand tu regardes ça, il y a des belles lumières, des beaux néons, c'est tout automatisé, ça n'a pas de l'air trop long. Mais la question, est-ce que ça fait une bonne job? Vous savez, je suis un maniaque des véhicules propres. C'est sûr que l'hiver, c'est plus difficile parfois pour certains de nettoyer leur véhicule, manque de garage, manque d'espace et ainsi de suite. Et si vous voulez le garder longtemps, là, eh bien, il faut le nettoyer une fois de temps en temps. Ça, on n'a pas le choix. L'été, cependant, je vois un peu moins l'utilité parce que je trouve qu'à la main, ça fait une excellente job. Faut juste prendre le temps. Mais bon, pas grave. Je veux voir qu'est-ce que ça donne aujourd'hui. Fait qu'on est avec le gros RAM. Il y a quand même une bonne petite couche de poussière sur celui-ci. Et l'expérience a commencé déjà de manière formidable parce que j'arrive à la station-service. Je me rends compte que je peux payer avec ma carte de crédit. Je me rends compte que je peux payer mon lavage donc directement sur le terminal à 11,99$ et il fallait mettre minimum 2$ d'essence. Et vous allez remarquer des fois que ce fameux minimum-là, il n'est pas indiqué quand vous venez pour payer à la pompe directement votre fameux lavage. Fait que là, on remplit le camion d'essence et oups, soudainement, on se rend compte que ça n'arrête pas à 80$ pour le montant que j'ai sélectionné. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est qu'on soustrait le montant du lavage sur l'autorisation globale de 80$ que j'avais choisi sur ma carte de crédit. Fait que là, ben, ça me prend mon coupon. Ben, la maudite pompe le crache pas. Fait que faut que je m'en aille voir la commis. Je lui dise, ben, j'étais le camion là-bas, fait que je voudrais avoir mon coupon. Ben là, c'est quel numéro de pompe? Hey, y a-t-il quelque chose qu'on ne regarde pas en tant que client, puis c'est bel et bien le numéro de pompe? Fait que bon, sommairement, il dit un peu où est-ce que je suis. Me donne mon coupon avec mon code de lavage. Donc, c'est ça qui est important. C'est ça que ça me prend pour y aller. Et là, je sors dehors, qu'est-ce que je vois? Pas une filet! Donc, il va falloir que je fasse aussi l'attente. Donc, c'est des choses qu'il faut calculer. Mais bon, j'ai hâte de voir la job que ça va faire sur le véhicule. Let's go, on se dirige là-bas. Fait que finalement, il y a juste deux voitures en avant de moi, il y en a une qui vient de rentrer, ça s'est quand même épuré pendant le temps que je tournais le vidéo. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va démarrer le chronomètre, puis on va regarder combien de temps ça nous prend faire l'attente, combien de temps ça prend un lavage aussi, et bien entendu le résultat. Donc ici, on va vraiment passer lentement si on veut profiter au max de notre lavage. So here, we're gonna slow down as much as possible to get the best cleanup of the underbody possible. Slow down, Matt, slow down. Okay, might be a little bit too fast though, so... Peut-être un peu trop vite, mais bon, on avance, on avance. Nettoyage des insectes, savon, clean up of the insects and soap. Make sure every window's closed. Soyez sûr que tout est fermé, hein, côté des fenêtres.
mousse de couleur. Oh, colors! Does it smell good? Est-ce que ça sent bon? Mmm! Agent de lustre. So it's gonna be time to make it shine. Fini. Faut que j'avance. That's it. I must roll. Dans le temps du séchage. Time to dry it. Encore là, le plus lentement possible, parce que je veux profiter de mon temps de séchage maximum. Celui-là, je le vois pas. Oui, je le vois présentement. 57 secondes qui me reste une minute pour sécher le gros camion. Et Dieu sait que c'est important, puis ça a l'air à pousser. Regardez ça vibrer. It's only 1 minute. 60 seconds were left, and you can see that it's really shaking that hood. Slowly, slowly, to make it clean as possible. Still some soap on the mirror. I got savon sur le miroir. Whoops! 15 seconds, I forgot. And it's really close with the truck mirror to that side of the garage. So, you can see the bed moving. Oh no, time's up. On a terminé, allons voir le résultat. Parlons des résultats. Eh bien, j'ai trouvé qu'il reste beaucoup d'eau sur le véhicule. La saleté, les petits S que j'avais fait avec mes doigts, là, faites pas ça en passant sur votre char, je vous le dis tout de suite. Eh bien, c'est quand même parti. Je voyais pas de résidus, surtout au gros soleil. Donc, au moins cette saleté-là de surface, on s'entend, c'était pas un véhicule qui était très sale, très vaseux, très boiteux présentement qu'on a mis dans le lavato. On s'entend. C'est sûr que l'hiver, là, la saleté est encore plus tenace, beaucoup plus agressive. Je vais refaire l'expérience pour vous, gang, pour qu'on voit le résultat. Mais c'est un bon dépanneur. On s'entend, je vous dis souvent de garder vos véhicules propres si vous voulez les garder à long terme. Vous allez voir, j'ai un autre conseil pour vous. Évitez le plus possible les lavatos comme ceux-ci qui contiennent des produits très agressifs à l'intérieur, des produits qui, oui, vont faire un bon résultat, mais qui sont très, très forts pour la peinture et pour votre véhicule. Les gouttelettes d'eau aussi, il y en avait beaucoup. C'est un peu plate pour ça. Si vous sortez, vous mettez à rouler tout de suite, eh bien, vous allez trouver que le sable va rapidement coller sur votre véhicule. Prochaine affaire, vous savez, vous avez payé 11, 12, 13 piastres, puis vous avez des belles coulisses de sable sur le côté parce que vous avez ramassé la poussière sur l'autoroute en montant parce que votre véhicule n'était pas sec. Je vois beaucoup de gens à la sortie de ces lavatos-là qui sont avec leur microfibre, qui sont avec leur chamois, puis qui nettoient leur véhicule. S'il vous plaît, ayez un petit produit en complément, un petit raviveur de lustre ou encore voire même un petit tir rapide des fois, là, ça peut faire la job, celle qu'on peut appliquer au soleil. Pour le reste, le chrome, ça n'a vraiment pas fait nécessairement une bonne job sur le camion, c'est encore tout piqué, les moustiques, ça n'enlève pas nécessairement ça. Ça a beaucoup de difficultés aussi avec la partie de la toile en arrière, tout ça, on voit encore beaucoup, beaucoup de résidus présentement qu'on a à l'intérieur. Sur la carrosserie, je trouve ça acceptable, les petits dessins, les petites traces qu'on a vues, le panneau en arrière, les caméras de recul, tout ça, c'est revenu
ultra propre. Fait que c'est quand même pas si pire pour là. On va marquer aussi dans les ailes. Il faut vraiment aller lentement pour avoir le meilleur lavage possible en dessous du véhicule, mais ça n'a pas l'air d'avoir touché grand chose. C'est un peu plate pour ça. Le temps, ça c'est le facteur super important. C'est environ grosso modo 7 minutes à l'intérieur avec un super plus lavage. Faites le calcul. Il y a du char en avant de vous autres dans le fil. Puis c'est pas beaucoup de char en passant. Là. Il y en a deux qui se mettaient à l'autre bout, puis il y en a 8 là, qui se mettent ici. Puis on est déjà dépassé amplement 10. On est rendu à 12. Vous arrivez, avez-vous le temps d'attendre 7 minutes x 10, si on a tout pris des gros lavages? Hey, ça fait 70 minutes, ça commence à être long. Lave-auto à la main, des fois, vont vous faire un intérieur extérieur pour 20-25$. Peut-être pas les camions, c'est un petit peu plus cher. Moi, les grains de foin, ils n'ont pas pantoute bougé à l'intérieur du véhicule, puis je vais être obligé de les réenlever tantôt. Fait que là, j'ai payé, il faut que je les enlève. Eh merde. Mais bon, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. C'est sûr que l'hiver, excellent dépanneur. On va refaire le test, je vous le dis tout de suite. Mais en attendant, section commentaires ci-dessous. Pouce en l'air parce que vous aimez ça. Et abonnez-vous à Question Auto parce que Matt va faire d'autres petits tests comme ça, juste pour vous. Bye!